C'est pour ça qu'encore une fois, j'insiste sur la manière d'opérer quand on organise cette commémoration du 12 mai. Je suis toujours parti du principe de travailler avec les municipalités. À partir du moment où on travaille avec la municipalité, on élargit aussi l'auditoire et on profite aussi des fichiers d'anciens combattants. Nous, là, c'est pour ça que je salue aujourd'hui la mairie de Laurent. Il y a eu deux couleurs politiques qui sont succédées, mais la municipalité a toujours été avec nous. Elle s'est occupée d'envoyer donc le courrier, organiser la journée du 12 mai. Elle est organisée comme si c'était une cérémonie officielle. C'est-à-dire que c'est une cérémonie associative, comme ça, comme beaucoup d'autres en France. Mais surtout se rapprocher des municipalités, parce que ça, c'est important. Ça, encore une fois, c'est une vie citoyenne, c'est une démarche citoyenne qu'on doit faire. On ne doit pas faire ça à part. Il y en a même, à un moment donné, qui me disait, oui, je vais mettre trois roses le soir en sortant du boulot. Non, il faut créer l'événement, amener nos concitoyens avec nous, parce que ça fait partie de l'histoire nationale. Et il faut à tout prix travailler dans ce sens-là. C'est pour ça que le terme, encore une fois, de commémorer, sur le terme du dictionnaire, commémorer, c'est se rappeler soit d'une personne, soit d'un événement. Et nous, le 12 mai, c'est cet événement que je qualifie, moi, le télégramme du 12 mai, cet ordre. Mais pour moi, c'est un ordre infâme. C'est une infamie qu'a commis le gouvernement français de l'époque. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut travailler là-dessus. C'est une pièce d'archive. Vous pouvez me présenter. J'ai eu au départ un gaulliste qui m'a sifflé la première année, quand j'ai organisé cette cérémonie. Il est venu me trouver après en me disant bon, c'est faire qui, excusez-moi. Vous avez raison, c'est une pièce d'archive. Ça fait partie d'une page sombre du général. Oui, on écoute. À défaut d'une stèle, devant le monument au mort. Mais de préférence, devant une stèle. Nous, à Laurent-Sainte-Marie, on le fait, puisqu'il y a un petit moment demandé pourquoi ne la faites pas sur Pau, qui est le chef-lieu hein, du département. Ben, j'aurais bien voulu, mais il y a une stèle, nous, à Laurent-Sainte-Marie, qui date des années 2004. Voilà, c'est pour ça qu'on fait toujours une cérémonie du 12 mai à Laurent-Sainte-Marie. Oui, dans la réparation, une thématique cruciale qui n'a pas été prise en compte, c'est les traumas. Les traumas n'ont pas été pris en compte dans cette réparation. Et justement, Boris Ferry disait comment mettre en place des actions pour justement pour stopper la transmission des traumas. Je pense que la question de la jeune réparation, c'est l'intervention d'Alain s'inscrit là-dedans. Je pense que quand il y a une réappropriation de la mémoire familiale de façon positive, en commémorant, en racontant, en transmettant, dès l'instant on dépasse au bout d'un moment le traumatisme familial. Et ça libère, voilà, il y a une transmission plus pacifique dont tu parlais, et c'est en ça que je voulais rebondir sur le manque de présence sur le long terme des élus de la République ou en des commémorations. Et du coup, de là encore, une instrumentalisation de l'extrême droite en France des harkis. Je pense qu'il faut se méfier de ça, parce qu'avec ce type de pensée politique et de mouvement politique, on est tous dans la réparation et la réconciliation et l'apaisement. Et la résilience. Et du coup, on ne fait pas société ensemble. Du coup, on a encore stigmatisé. Je pense que les enfants de harkis seront encore stigmatisés si un élu du Front National est présent. Je pense que s'il se présente à la suite. Moi, je ne sais pas, toute votre histoire, votre engagement dans le monde associatif, je ne sais pas votre courage d'organiser des manifestations, je ne juge pas du tout. Mais si un élu interpelle en disant ma présence, bon, bien sûr qu'il a sa place dans une commémoration comme la locale de la République, par contre, il n'a pas une association pour montrer du doigt, oui, moi je suis présente, parce que quelque part, c'est ça qui est relayé par les associations, oui, le seul qui est présent, oui. C'est ça. C'est lui et son étiquette, c'est ça. Et dans les esprits des gens, ça martèle. Oui, il y a le Front National qui dit que. Non, ils n'ont pas été exercés du pouvoir, ils n'ont jamais été exercés du pouvoir. Donc c'est facile de se montrer comme exemplaire alors qu'on n'a jamais eu. Ah, si, excuse-moi de t'interrompre là-dessus.
Pétain, c'était cette partie-là. Donc, il ne faut pas l'oublier. Voilà, faut pas l'oublier. Il y a eu un gouvernement d'extrême droite. Oui, heureusement, c'était plus la République française. Non, oui, mais ils ont été au pouvoir, donc bon, voilà, on peut dire qu'on les a vus à l'avenir. Maintenant, c'est aux électeurs après de juger. On va dire que nous allons encore des bulletins de vote pour nos élus, soit local ou national. Et ça s'arrête là. Hein. Et encore une fois, j'aimerais quand même juste rajouter, parce qu'il y en a qui, c'est vrai que. Là, on a le droit, il y a pas le peu. Ouais, il me revient en mémoire encore certaines personnes qui me disent oui, mais est-ce qu'on peut organiser une réunion qui n'est pas officielle, qui n'est pas nationale? Oui. Oui, à partir du moment où, voilà, exactement, à partir du moment où la sécurité publique, on va dire, n'est pas menacée, vous pouvez organiser simplement, bon, mais il faut quand même prévenir. Tout à fait, il y a des règles, il ne faut pas faire la mairie. C'est pour ça, encore une fois, non seulement prévenir, c'est inviter, travailler en collaboration avec le maire. L'associer à cet événement. Parce que c'est un événement quand même sur la commune. C'est pour ça, encore une fois, ne pas faire les choses à part comme ça. On a été écartés pendant des décennies. Alors, si vous-même vous écartez encore de la citoyenneté, c'est ça. Hein. Encore une fois, on s'enterre. Ça, c'est comme j'en reviens un peu. Au vote, certains de nos copains qui, au moment des élections, font des appels à voter pour un tel ou un tel. Donc, c'est, voilà. Après, moi je dis pendant des années, quand j'étais au camp de Biesse, puisque je suis originaire de là, nos parents, le jour de l'élection, on les amenait et on leur disait c'est ce bulletin qu'il faut déposer. Moi j'ai toujours critiqué ça. Et aujourd'hui, moi je dis. Tel candidat a des propositions, c'est à vous ensuite de juger quel est celui qui a les meilleures propositions pour l'archive ou pour justement, juste en tant que citoyen, parce que on peut aussi voir ça, l'histoire de l'archive dans sa globalité, hein, et dire effectivement, voilà, c'est celui-là qui est le plus proche, moi, de mes idées, je vais voter pour lui. Voilà, mais moi je crois que c'est la meilleure démarche à faire et aussi responsabiliser encore une fois, le citoyen que nous sommes, voilà, c'est d'aller voter pour le candidat de votre choix. Oui, merci Alain. Bon, je vais rebondir sur ce point. Pour le 12 mai, qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a échappé, mais c'est pas grave. C'est dur, là. Je... Non, c'est dur. Après toi, c'est dur. Hein. Attends, oui, vas-y. Je voulais dire, je pense, pour faire ensemble, je pense qu'il faut dépasser... l'esprit communautaire ou religieux, mais plutôt recentrer l'humain dans le débat public. Mais je suis d'accord. Parce qu'avant tout, nous sommes des êtres humains. Mais je vais te répondre, moi. Écoute, on ordonne, même des appelés, quand je leur parle du 12 mai, beaucoup ne sont pas au courant des télégrammes de l'Ordre Messier. Ça m'étonne pas. Quand je les invite au 12 mai, déjà, ce n'est pas une date officielle. Ici, on ordonne à Périgueux, le seul qui vient. C'est la mairie de Périgueux qui nous soutient tout le temps le 12 mai. On a à disposition de tous les moyens qu'on peut avoir. Mais le préfet, l'ONAC, comme ce n'est pas une date officielle, je pense que c'est le 12 mai, c'est le moment de tous nos ancêtres qui ont été massacrés en Algérie quand même. Et tous ceux qui ont subi des souffrances dans les prisons d'Algérie, on croit pas que le 12 mai c'est une date vraiment plus que le 25 septembre. Oui, ami, j'aimerais quand même rajouter que le directeur de l'ONAC est un fonctionnaire de l'État. Donc le fait d'assister à la cérémonie du 12 mai, il ne peut pas. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà, ça l'implique directement, et ça, un fonctionnaire de l'État ne va pas venir. Mais absolument, par politesse à moi, chaque fois qu'on commémore le 12 mai, j'envoie une lettre au préfet à toutes les autorités. Voilà. Oui, mais bien sûr, au contraire. Il faut toujours leur passer le message, leur dire, voilà, on l'organise, on fait ça. Ensuite, libre à eux, s'ils viennent ou s'ils ne viennent pas, ou s'ils peuvent ou s'ils ne peuvent pas. Mais toujours les informer. Toujours envoyer des courriers en sachant très bien qu'ils ne vont pas venir. Même le préfet, voilà, lui envoyer un courrier. Au moins, il sait parce que le préfet, c'est un
fait quand même des études. Et en même temps, c'est un fonctionnaire. Quand il reçoit l'invitation, ben, il envoie un petit message tout à fait en haut de la pyramide pour bien être là dans le département. Il y a telle association qui commémore le 2 mai. C'est son boulot aussi. C'est pour ça, c'est toi, ça. C'est pour ça qu'il faut informer les autorités locales. Et nous, dans le Pyrénées Atlantique, le plus haut gradé dans l'échelle des élus, c'est le président du conseil général qui est venu assister une fois, je suis là, je me suis engagé à assister au dîner, je suis là, et je crois que dans son discours qu'il a fait à la mairie, il a dit c'est la première fois que je vois autant de vice-présidents concentrés dans les mêmes lieux. Il y avait le président et les vice-présidents donc, qui étaient là. Et je... Et j'en profite pour saluer sa mémoire parce que c'est un bonhomme qui a toujours resté pour les artistes, qui a mis d'énormes moyens pour l'exposition des 50 ans avant l'arrivée d'Archie en 2012. Voilà, il nous a laissé l'exposition pendant un mois au Conseil Général. Et il m'avait demandé de prendre deux personnes pour tenir la permanence donc, de l'exposition. Et j'avais embauché une petite fille d'Archie et une autre que je connaissais, donc deux personnes comme ça qui ont gagné le SMIC pendant un mois. Voilà, c'était pas grand chose, mais voilà, ça a permis en même temps d'avoir une exposition sur quand même une trentaine de jours et d'embaucher pour un mois un terrain. Voilà, petit salaire. Une question, je veux bien qu'on réfléchisse sur justement le devenir des Archies restés en Algérie. Parce que je pense qu'on ne peut pas rester indifférent aux Archies qui sont restés en Algérie. Non, mais c'est vrai que c'est très difficile de travailler sur ce dossier. Effectivement, il ne faut pas les oublier, mais c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Archis ou d'enfants d'Archis restés en Algérie qui demandent à avoir donc la nationalité française pour passer. Et c'est vrai que c'est très difficile. C'est tout à fait légitime, mais c'est énorme parce qu'il y avait un délai pour pouvoir se faire reconnaître pour la nationalité française. Les Archis, mais hélas, ils n'ont pas pu passer. Ils étaient obligés en Algérie pour se réinsérer chez eux terre, leur passer de supplétif ou de Archis. À proprement parler, donc c'est extrêmement difficile, même encore aujourd'hui. Ouais. Mais grâce aux réseaux sociaux, il y en a pas mal qui se manifestent. Oui. Et puis, en raison du contexte géopolitique, c'est une opportunité à saisir en ce moment. Et puis, le gouvernement algérien, peut-être, au bout d'un moment, il est. Oui. Mais c'est vrai que. Je pense qu'ils ont le droit de bénéficier aussi à la réparation, c'est pas tout normal. Oui. Excusez-moi, c'est comme tous nos ancêtres qui sont décédés. Mon père, nos mères qui sont décédées, est-ce qu'elles n'ont pas droit à la réparation? Normalement, oui. Bah, justement, je pense qu'il faut justement se battre là-dessus. Que les associations qui se concertent et voir comment améliorer cette loi, puisque c'est en vérité rien n'est figé. C'est à nous de le prendre en main. Oui, encore une fois. Au lieu de rentrer dans le problème d'égo, Encore une fois. Il n'y a qu'à agir pour l'instant aujourd'hui. Non, c'est pour ça que je remercie mon voisin d'avant vous qui a réussi à. Ah oui, il a fait un énorme travail. Qu'on se bat dans le même sens. Oui. On a plusieurs réunions, si vous êtes avec moi, plusieurs fois on s'est rencontrés, on se bat dans le même sens. Aussi bien pour reconnaître que les anciens pères et mères qui sont décédés, on va aussi en réparation. Donc c'est pas pour tout le monde. Tout à fait, oui. C'est très normal. Mais encore une fois, on revient au rapport de force, encore une fois. Plus on se mobilise autour d'un événement, voilà, et ce que fait Nadia de son côté au niveau des enfants, c'est encore moyen de se concentrer là-dessus. Là aussi, il faut intervenir, que ce soit au niveau associatif, que ce soit au niveau individuel aussi. Rien n'empêche aux gens de prendre un papier à lettre, de dire voilà, de soutenir le travail de Nadia. On a voulu la soutenir, on a trouvé des choses, un modèle qu'on puisse au moins la soutenir. Oui. Chacun, je pense, chacun se sent. Là, justement, c'est difficile à réfléchir comment la soutenir. Non, mais c'est pour ça que j'en profite pour renouveler ma confiance à Nadia pour le travail qu'elle fait. Et le travail de la scène Arfi,
ces deux personnes ont travaillé, c'est vrai qu'au départ, ils étaient cinglés, quoi, au début des recherches. Et heureusement, malheureusement, hélas, on découvre, plus on grave, plus on découvre, hélas, des ossements. Mais ce travail, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est reconnu. Voilà. Merci encore pour ce que vous faites, pour cette mémoire, encore une fois. Parce que ce sont des... Aujourd'hui, on a cette richesse, c'est vrai que c'est les interventions, les intervenants, du moins d'aujourd'hui, ce sont des intervenants complémentaires les uns aux autres. Il n'y a pas de rivalité. Oui, c'est très important. Merci. Merci.